Coucou. Donc je vais terminer le devant de ma couverture. Donc je vais mettre le papier déco. Donc j'ai choisi cette grande feuille. Donc j'ai déjà découpé hors caméra la bande du bas parce que pour l'instant ici je la veux pas, mais je la garde. Hein. Toujours garder ses chutes. Hein. Malgré qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des chutes. Ah bah ouais. Hein. Donc là, je vais pas vous donner pour l'instant les dimensions. Hop. Parce que moi, je veux la porte. Alors comme je veux la porte, et puis je veux les mots, la fleur, la vente, maison de vente. Donc je vais venir faire une marque au crayon. Alors j'essaye de mettre vraiment, si la feuille veut pas arrêter, enfin veut arrêter de bouger. Ah, ah, si elle est gentille, elle arrête de bouger ma feuille. Je mets à peu près à 2 mm du bord de ma feuille violette. Parce que je veux faire un effet de matage. Donc je vais mettre une marque ici. Et une marque de ce côté-là. Donc je vais couper mon papier dans ce sens-là. Et après, j'enlèverai pour la hauteur. Donc je prends mon massico. Ah, il y a deux caméras. Bah ouais, il y a deux caméras. Alors je sais pas par où regarder. Celle du haut filme ce que je fais et celle de ci, oui, bonjour. Alors, ma petite marque de crayon, faut pas que je me loupe, elle est là. Donc je regarde que je sois bien droite, voilà. Donc je viens, hop, et ça on le garde. Ça pourra être utilisé à l'intérieur de l'album. Pareil de l'autre côté. Voilà, bien droit. Et je coupe. Donc maintenant je reprends ma feuille, je pose mon massico là, je reprends ma base de couverture. Donc là voilà, on est bien là, ça fait un beau matage. Donc je vais venir faire une marque en haut à peu près à 2 mm, hein, mais c'est à quelque chose près. Hein. Je mesure pas. Là, j'ai fait ma marque, donc je vais couper mon papier. Donc là, j'ai fait ma marque par là. Je vais me mettre comme ceci. Hop. Là. Donc voilà, j'ai découpé ma porte. Hop, là je pose ça ici et avant de coller ma porte là, je vais avec la Distress Oxide, je vais faire tout le tour et je vais, comment on dit, je sais plus les mots, hein, on est le matin, hein. Ouais, je vous ai pas dit quel jour qu'on est, on est jeudi 16 et il est 8h, 8h15, 8h20. Ah, c'est pas dans mes habitudes, hein. Ah bah non, hein. D'habitude à cette heure-là je fais encore dodo. Donc je vais venir faire les contours avec la vintage photo. Alors que par contre, pour pas que ça saute, hop, y a, y a... c'est pas une roue de vélo mais c'est un truc qui traîne. Parce qu'on fait du rangement aussi avec ma cousine. Donc je vais me mettre par là. Alors vous allez pas voir. Ah, je me mets comme ça. Parce que, en fait, les trucs comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle non plus, ça, des fois, ça fait des petites peluches. Et puis, si ça va sur ma couverture, bah, ça fera pas propre. Donc, je vais venir comme ça faire mes bords. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Ancrer les bords. Ah, bah voilà, je savais bien que ça allait revenir. Je vais ancrer les bords. Avec la vintage photo. Alors là, je vais me prendre comme ça. De façon à ce que ça fasse ressortir
la couleur violette qui est en dessous. Qui est en dessous, comment je parle, moi. Ah, vous savez, elle est en dessous. Alors, une chose que j'ai oublié de faire, et voilà, encore une erreur. J'ai oublié d'effacer mes petits traits de crayon de bois. Bon, avec la vintage photo, ça va pas trop se voir. Que comme la mamie, elle va avoir 100 ans, elle va peut-être pas le voir. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle porte pas de lunettes. Elle joue aux cartes, elle a pas de lunettes. Elle porte des lunettes quand elle va dehors, des lunettes de soleil. Mais sinon, elle a pas de lunettes. Ah, peut-être que pour lire le journal, elle en a. Je n'ai point demandé. Donc, on fait les quatre côtés. Alors, je mettrai peut-être en accéléré, hein, parce que là, le temps de faire les quatre côtés, moi, il me faut du temps. Là, plus qu'un côté. Oh là là, ça avance vite. Ça avance vite quand même, hein. Là. Là. Donc j'ai bien mis de tous les côtés. Je range ça à l'extérieur pour pas venir en mettre. Bah oui, il faut éviter quand même d'en mettre sur la couverture. Je vais mettre la couverture à plat. Je vais peut-être la mettre dans ce sens là à plat comme ça, et puis ma porte, faut que je la fasse aller comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller y mettre de la colle. Je vais mettre ma colle, donc ma colle Patex là, ma colle à bois. Ça colle le bois, donc ça colle le papier, hein. Le papier est fait à partir de bois. Donc, je vais mettre ma colle et puis je vais venir coller mon papier. Alors, est-ce que ça sort? Ouais. Donc, j'essaye d'en mettre vraiment bien au bord, mais sans trop non plus. Vous voyez rien, bah, je suis pas sous... j'arrive pas à mettre ma caméra comme il faut aujourd'hui. J'ai un peu excentré. Là, ce côté-là. Et puis après, j'en mets un petit peu partout. Là, alors, oh mince, mon doigt. Là, je vois qu'il y a une espèce de gros paquet. Évitez les gros paquets. Donc, je passe un peu mon doigt là sur les gros paquets. Là, mon chiffon qui va bien, qui aurait bien besoin d'être lavé, ce chiffon là. Et oui. Et là, bah, je vais essayer de mettre ma feuille correctement en gardant l'espace tout autour d'environ 2 mm. Là, en haut et en bas, et là avec mon chiffon, je vais venir appuyer dessus. Je sais plus par quel bout le prendre, ce chiffon. J'appuie bien surtout sur les côtés là, pour que ça soit bien collé. Après, s'il manque un petit peu de colle sur un rebord, moi ce que je fais, c'est que je prends une chute de papier, n'importe quelle chute de papier, je mets un peu de colle sur mon coin de papier par exemple, puis je viens le glisser en dessous et puis je mets de la colle comme ça quand il y a un manque. Donc voilà pour le devant. Donc voilà ce que ça donne, le devant de mon album. Ah, ma cousine, elle veut regarder, alors je tourne. C'est joli, hein.
Ça donne bien, hein? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver un papier pour mettre sur le dos. Par contre, faut pas que je me trompe, faut que je le mette dans le bon sens, hein, mon papier. Donc là, je vais mettre ma couverture dans ce sens-là. Donc là, j'ai ma porte. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Donc vous voyez, j'ai bien fait de recommander du papier, de prendre du 30-30. Donc au dos, est-ce que je mets avec une image ou est-ce que je mets quelque chose de neutre? Alors j'avais moitié envie de prendre quelque chose comme ça pour faire soit ce côté là ou soit ce côté là de la feuille. Celui-là est peut-être ouais, plus intéressant. C'est ce que j'allais dire. Ah, ma cousine est d'accord avec moi, donc on va prendre ce côté là. J'aime bien. J'adhère. Elle adhère, donc j'adhère aussi. Hop. Donc après, les autres feuilles, elles serviront pour les pages intérieures. Donc là, par contre, bon, bah, il n'y a pas de dessin spécifique. Je peux prendre au bord et venir découper mon papier de chaque côté. Donc je fais pareil. Moi, je n'ai vraiment pas de mesure spécifique pour mes papiers de déco. Mes papiers de déco, si je retrouve mon crayon de bois, je fais un marquage, voilà. Ça, c'est ma tête. Hein, elle est... Pourtant, je suis réveillée, hein, mais bon. Il y a des choses qui disparaissent de temps en temps. Ils ne sont pas bien loin. Une petite marque ici. Une petite marque par là. Et je vais couper mon papier. Donc, je reprends le massicot, forcément. Mon beau massicot de centimètres. De Stampin'Up. Alors ma marque, je la vois, elle est là. Voilà, donc je regarde que je sois bien alignée partout. Voilà. Hop, alors toujours garder. Hein. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me trouve une petite pochette pour mettre toutes mes chutes qui correspondent à l'album. Faut pas en égoyer un peu partout. On a déjà mis des choses dedans. Alors, mon petit point, il est là. Le crayon de bois, là, j'ai un peu de mal à le voir. Ouais, il brille, là. Il est là, mon petit crayon de bois. Alors, bah, quand je pose, là, je vois plus rien. Crotte à deux, crotte, crotte, deux biques. Les biquettes, les biquettes. Je n'ai pas marqué assez fort mon point. Pourtant, je le vois, il est là. Oui, il est là. Oh là. Je vais faire un peu plus grand parce que j'ai du mal à le voir. Ah, ici. Alors, faut pas se louper, hein, parce que là, en 30-30, j'ai qu'un seul paquet. Alors, si je me loupe... Donc, est-ce qu'il y a un sens? Non, je pense pas. Dis, cousine, il y a un sens ou pas? Je mets la tête comme ça. Ah, ou... Tu mets comme ça. Ouais. Donc, attends. C'est très joli. Alors, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, mais je sais même pas où qu'elle est, ma gomme là-dessus. Elle est là, la gomme. Ah, bah voilà. Je vais essayer de gommer les petits points que j'ai fait au crayon de bois. Je fais les quatre points, les quatre coins plutôt. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de coin. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas fait. Bon, bah tant pis, hein. Donc, je reprends ma Distress Oxide, là, vintage. Je vais faire pareil. Alors, hop, je me tourne. Hop. Là. Je crois bien qu'il va falloir que je la... Je sais pas si ça s'achète des recharges ou s'il faut carrément acheter
le pâte d'encre. Je me pose la question. Ouais. Pas recharge. Il n'y a pas d'encre qu'on peut mettre dedans. Ouais, faut racheter un pad. Après, c'est peut-être moi qui n'en mets pas assez sur mon tampon. Hein. Non, mais quand même. La 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 l'air. Moi, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. Nous, on a de la chance, on a du beau temps. C'est trop bien. On a fait une belle sortie hier. Peut-être qu'on ressortira, peut-être pas. On va réfléchir. Si on a le temps, parce qu'on a beaucoup de projets et pas beaucoup de temps. Donc je vais venir le coller sur mon ma couverture. Je cherchais le mot. Donc bah pareil, hein. Faut mettre de la colle. Ben oui. Ben oui, faut mettre de la colle. J'ai vu que j'avais un cheveu sur ma couverture. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, dans mon cerveau, au lieu de couverture, c'est le mot devanture qui se présente, mais ma bouche elle veut pas le dire. Et c'est pas une devanture, c'est une couverture. Faut arrêter avec les devantures. Les devantures, c'est les magasins. C'est pas... Je suis pas en train de faire un magasin. Ben non. Ah ben non. Je suis en train de faire une couverture. J'ai un cerveau bizarre. Oui, je sais. Mon cerveau est très bizarre. Allez, on met de la colle un petit peu partout. Là, c'est bien, j'ai fait moins de paquets que tout à l'heure. Donc là, dans ce sens-là, là, comme ça, mon chiffon, parce qu'autrement ça me colle au doigt et je fais des bêtises. Ouais, très bien la colle à bois, par contre elle prend tout de suite. Hein. Elle sèche très vite. Là, donc j'appuie bien partout. Après hier, j'ai retrouvé ma marouflette, mais je sais pas où je l'ai mise. Ma belle marouflette. Ah si, elle est là. J'ai retrouvé ma marouflette comme ça. Alors j'ai la grande aussi, mais je sais pas où qu'elle est rendue. J'ai une grande marouflette. Mais bah, tellement de beaux arbres dans la pièce là-bas que j'ai plein de choses qui disparaissent. En fait, la pièce là-bas, vous savez pas ce que c'est, bah, c'est mon triangle des Bermudes à moi. Dans le triangle des Bermudes, les bateaux, les avions, tout ça, ils se perdent. Bah, moi, quand j'achète quelque chose que je range là-bas, c'est perdu. Ça tombe dans le triangle des Bermudes. Les triangles d'Hélène. On va peut-être faire des découvertes, hein, parce qu'on va ranger. Hein. Ah bah ouais, on va ranger. On va peut-être retrouver mon bureau, dit dedans. Alors vous allez me dire, je maroufle là, j'ai pas marouflé l'autre côté, mais alors là, ça va être peut-être un peu trop tard. On va essayer. Parce que la colle, elle doit être déjà collée. Moi j'aime bien. Je pense que la mamie elle devrait être contente.
Donc, je vais aller chercher quelque chose que j'ai oublié. Bah ouais, parce que si j'oubliais pas, ça serait pas moi. Donc, je reviens. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, j'oublie toujours quelque chose. Bah, mes trucs. Mes trucs bidules, là. Il y a des choses quand même que je sais où c'est rangé. Il y a quand même des choses que je sais où c'est. Heureusement que je sais où c'est. Donc voilà, j'ai été chercher ce que j'avais oublié. Donc je vais mettre... Oh bah mince, elle n'enregistre plus là-haut. Oh, c'est pas vrai. Tous les coups, il n'y a plus de batterie. Pourquoi elle s'est éteinte? Elle n'est pas bien chargée. Elle est déchargée. Crotte, fais-moi voir. Qu'est-ce que tu dis? Bah dis, parle-moi dans l'autre sens là. Je le quoi? Ah non, elle est déchargée. C'est pas vrai. Elle n'est pas bien chargée hier? Bah j'ai oublié. Il y a ça, tu as fini. Faudrait-tu la mettre à charger à chaque fois? Ah mon Dieu, c'est pas vrai. On va finir la caméra avec celle-ci. Bah du coup, vous verrez plus ma tête. Ah bah c'est les aléas du direct. Donc je vais vous mettre comme ça. Hop là. Que je voie quand même ce que je fais. Bah, rapprochez-vous par là parce que là on va rien voir. Là. Donc là on était là. J'ai été chercher mes trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, faut pas me demander le nom, je sais pas. Quoi qu'il reste plus que deux bords, va falloir que je la recharge celle-là aussi. Là. Donc, ce que je vais faire. Je vais venir. Mince. Ben, il y en a une là. Je vais venir mesurer. Par contre, mon trépied, il me gêne. Bon, je vous mets sur le côté, hein. Faut faire comme on peut. Et pas comme on veut. Je vais venir mesurer. Donc moi, ma hauteur normalement fait 24. Donc la moitié, c'est 12. Crayon. La moitié, c'est 12. Et alors, est-ce que je le mets? Je ne vais pas le mettre trop près du bord. Je vais le mettre à combien? Est-ce que je le mets sur la brique, là? Enfin, la brique, sur le portail. Ce serait pas mal sur le portail, non? Ça serait pas mal, ça, sur le portail. Donc, on va mesurer sur le portail. Ça fait 24,2, mais bon. Moi, j'arrive jamais à couper vraiment comme il faut. 24,2, ça fait 12,1. Donc, je vais me faire une petite marque. Waouh, super! Et là, je vais venir faire le trou avec ça. Alors là, je vais demander un coup de main à... C'est quoi cet appareil? À Céline. C'est bien d'avoir quelqu'un. Tu veux que je fasse le tour? Non, je voudrais que tu tiennes ma couverture. Alors, est-ce que tu peux la tenir? Je sais pas. De toute façon, le trépied, là, on n'a plus besoin, mais... Faudrait pas qu'elle bouge, la couverture, tu vois, parce que moi, c'est ça ce qu'il faut que je fasse bouger. C'est quoi comme appareil? C'est pour faire des trous. Tu vois, comme c'est épais. C'est même très épais. Allez. Ça fait comment cet appareil? Ah, je sais pas le nom. J'ai trouvé ça sur un site internet. On achète n'importe où pour pouvoir faire l'album, c'est ça. Hein. Bah après, normalement, il y a la crocodile, mais elle va pas aller jusque-là, la mienne. D'accord. Mais tu vois, j'arrive pas à transpercer l'autre côté. Alors, est-ce que je vois? Si. Donc, il faut... Pause. Dusty! Donc là, il faut que mon anneau... Vous êtes où? Vous êtes là?
Donc déjà, je vais fermer ça pour que rentrer dans le trou. Faut que mon anneau, il vienne vers moi, là. Je sais pas si vous allez voir. Donc je rentre les petites pattes, là. Voilà. Il faut que mon anneau, il reste vers moi, là. Donc là, je vais venir là. Et je viens bien l'appuyer. Alors, il est pas là, mon truc. C'est ça, quand on sait pas. Qu'est-ce que tu cherches? Ah ben, truc là, ça. Est-ce que tu peux regarder dans la boîte qui est par terre, là, la boîte en plastique? Enfin, elle est par terre, elle est en hauteur. Il doit y avoir du ruban de masquage. Non, pas du double face. Du vraiment le ruban de masquage comme pour les peintres. Non, pas ça non plus. violet, il n'y a pas un truc violet? Ou ça, ouais, ça s'en est aussi. Ça s'en est. Parce que j'ai appris ça sur une vidéo, que pour éviter que ça bouge, il fallait le bloquer avec du ruban. Bon, la dame apprenait du violet, mais c'est pas grave, ça c'est la même chose. On va essayer d'en commencer un toutes les deux. Pour toi. Alors là, je vais peut-être le coller dans ce sens-là. C'est vraiment pour le bloquer. Comme de toute façon, après, il y aura... Il n'y a pas un ciseau quelque part? Comme il y aura après, il y aura une page ici, donc ça sera caché. Là. Hop. Donc vous allez me dire, bah oui, pourquoi qu'elle met là? Parce que je vais en mettre un autre de l'autre côté, ici, et je mettrai des rubans, et ça me fera la fermeture de l'album. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Alors par contre, ce qu'il vous faut que je fasse, c'est que je prenne la mesure, parce que là, je vais prendre la mesure du centre ici. J'aurais dû prendre la mesure avant de le poser, mais tant pis. On va dire le centre, j'ai 5, à peine 5. Ah si, j'ai 5. Si, j'ai 5. Donc, faut que je fasse un repère. Donc, à la moitié de mes 24 et à 5. Donc, je vais peut-être me mettre à 5 par là déjà. Peut-être commencer comme ça, mettre un repère à 5. Donc ici, et là, je vais venir mettre là, ça fait 24,2 aussi, donc à 12,1. Là, donc là, il faut que je fasse mon trou ici. Pas si vous voulez bien voir, pas facile à voir ici le trou. Donc pareil. Vous allez me dire, t'aurais fait comment tes trous si t'avais pas eu ta cousine? Bah, elle me serait débrouillée toute seule. Il faudrait que j'enlève le truc. T'as pas une petite aiguille qui traîne? C'est pour déboucher mon trou, là. Ouais, c'est pour ça que j'arrive pas à... C'est que le trou est bouché. C'est bon? Ouais. Il y en a plus? Il y a encore un... Est-ce que le carton il va là? Bah ouais, il y en a encore. Là, hop, attends. Et vous voyez pas ce que je fais? Je débouche mon trou. Pourquoi tu rigoles? Tiens, voilà le fil. Elle se moque de moi, dites donc. Non, c'est gentil. Elle est très gentille. On fait du tri. Ah oui, 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 on fait du tri. Là, donc là, je vais me positionner le mieux possible. Là. Alors, est-ce que je suis pas rendu l'autre côté?
C'est vrai que c'est de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur, plus le papier. Ça va pas bien faire 2 mm et demi. Non, je le vois pas là. Ça fait faire du sport. Ah, là je vois un petit bout. Alors, est-ce que le trou est fait? Donc, faut que je mette pareil dans le même sens. On va regarder si le trou est fait, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, je le mets comme ça, de façon à avoir l'anneau comme ça, dans ce sens-là. Donc, je vais venir le maintenir comme ça, pour pouvoir après ouvrir les deux pattes, là. Voilà, j'ouvre bien comme il faut les deux pattes. Et puis ensuite, je vais venir appuyer dessus. Là. Et bien appuyer dessus. Là, et puis je vais bloquer avec mon scotch. Je l'ai mal déroulé tout à l'heure. Hop. Hey, il y a encore de la batterie sur cette caméra. On va pas pouvoir filmer tout de suite. Parce que celle-là aussi, il faut que je la mette à recharger. On fera un petit peu plus tard. Allez. Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver le bout? Ah, ça y est quand même. Ouais. Ça vient de chez Action, mais non. Ça fait longtemps que je l'ai, j'arrive même pas à faire un rectangle propre quand même là. Tellement bien collé. Là. Voilà. Oh bah. Bah non, t'enroules pas sur toi-même, ça va pas le faire. Donc on va venir bien coller le truc. Là, et là, donc voilà ce que ça donne. Donc le devant, vous êtes trop basse. Attendez, je vous remonte un peu. Oh là, j'ai monté tout là. Ah, heureusement qu'elle est là. Donc dans ce sens-là, voilà, ça c'est le devant. Donc le petit anneau permettra, on va mettre des rubans, mais je les mettrai qu'à la fin. Je mettrai des rubans ici, des rubans au dos ici. Et on fermera avec une, on fera une bouclette quoi. Un nœud, papillon. Donc voilà le dos, le devant. Et la prochaine vidéo, on s'occupera de l'intérieur. Et je poserai mes pages. Dans la prochaine vidéo, je vais poser mes pages. Et peut-être que... Bon, on verra. Je poserai mes pages déjà. Et après, il y aura ce côté-là et ce côté-là à faire. Et après, on fera les pages une par une, recto, verso. Je mets dans cet album 4 pages. Je vais vous faire plein de scrap bisous. On va mettre les batteries à recharger. Vous me voyez, point. Hein. Donc, je vais mettre mes batteries à recharger de mes appareils. Hein, parce que moi, je suis surchargée à fond à bloc. Et puis, bah, pendant que ça recharge, on va faire du tri. Voilà. Yes. On va faire du tri. Bah, on n'a pas de temps perdu. Hein. On va faire du tri pendant que les batteries se rechargent. Comme ça, après, on fera une vidéo toutes les deux. Ou peut-être 2 vidéos. On va préparer des surprises. Donc, je le mets de côté, à un endroit que je ne le perds pas et qui ne s'abîme pas. Je vous fais des scrap bisous, à très bientôt. Scrap bisous les copains et copines. Bisous.